Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous partager comment faire des enveloppes et des boîtes sans aucun outil, mais aussi on peut utiliser l'outil Envelope Punch Board des We Are Memory Keepers. Mais on va apprendre sans l'outil d'abord. Alors, vous m'accompagnez? Alors, pour faire ces belles boîtes où on peut mettre des cartes qui sont un peu plus larges ou des cartes pour offrir simplement, on va utiliser l'envelope punch board, mais aussi on peut le faire avec une équerre, des ciseaux et un crayon et c'est tout. Alors je vais vous montrer les deux façons. Alors pas besoin d'avoir cet outil là, on peut le faire tout simple à la règle et avec des ciseaux, c'est un peu plus long, mais bon. Pour ça, on va utiliser quand même ces tableaux-là que je vais vous laisser aussi sur le blog. Vous avez toutes les mesures. Là, mon envelope punch board, il est en pouces, mais j'imagine qu'ici, on le trouve aussi en centimètres. Alors, on va mesurer simplement la taille de notre carte, combien elle fait. Et avec ça, on va se référer sur le tableau pour savoir quelle taille de papier on va couper et après où on va faire les mesures pour faire les plis. Vous allez voir. Alors là je me suis repérée pour faire une carte des papiers action, les carrés, parce que bon, c'est plus facile peut-être pour la démonstration en carré. Alors j'ai pris les mesures 12.7 12.7, c'est les cartes carrées. Et là, j'ai découpé mon papier. Après, j'ai plié au centre simplement pour avoir une façon facile de réparer les centres de chaque côté. Et là, je descends 1 cm et je fais un petit point. Et après, avec mon équerre, simplement, je vais tracer une ligne et je vais joindre les points. Les points que j'ai fait d'un côté et de l'autre, et je vais rester avec un carré. Si vous voulez pas tracer de ligne, la ligne de toute façon c'est un crayon, on peut l'effacer après. Vous pouvez directement utiliser un plieur et passer directement pour plier l'enveloppe. Alors on a les lignes, vous voyez, ça c'est l'espace où elle va aller la carte, et là simplement on va découper les petits triangles. Les quatre côtés, parce que là d'abord je vous montre comment faire une enveloppe simplement. Là on va faire d'abord une enveloppe et après on va voir comment on fait la boîte. Là simplement j'ai passé le plieur pour avoir mes côtés. Comme je vous dis, vous pouvez effacer avant les traits. Là c'est pour les effets de cette vidéo, j'ai pas effacé, et simplement on plie et vous voyez qu'on a l'enveloppe déchirée. Alors, c'est trop facile. Là, si vous avez quelque chose pour arrondir les coins, ben c'est plus joli. Et là, on voit que la carte, ben, j'ai pas mis du scotch, ben, il faut mettre du scotch, mais je voulais vous montrer que la carte, elle rentre parfaitement. Là, si vous avez des petits trucs à ajuster, ben, vous pouvez. Mais alors, pas besoin de cet outil-là pour faire des enveloppes assez faciles. Là, je vous montrais aussi comment on peut embellir un peu les enveloppes si vous voulez faire quelque chose de différent. Alors, je prends mon enveloppe. Là, c'est une enveloppe qui venait avec ma carte qu'on avait fait la dernière fois. Là, je vais couper un peu plus à l'intérieur de ma ligne pour être sûr que mon gabarit, là, il va rentrer à l'intérieur de l'enveloppe. Et là simplement je vais coller ça, et c'est une enveloppe je trouve très très belle pour mon mariage. Moi j'ai décoré chaque enveloppe aussi avec quelque chose à l'intérieur, et je trouve que ça donne un rendu encore plus beau. Je vous montre une autre façon aussi. C'est la même histoire, c'est une autre idée simplement. C'est de faire le même, on prend le même gabarit, je vais me servir, regardez comme c'est vos mêmes avec ces papiers là, mais bon, je prends le même gabarit, parce que là les cartes elles font la même taille,
Et simplement, je vais passer ça avec un classeur. Je vais embosser ça avec un classeur d'embossage. Il faut être sûr que le classeur, c'est un classeur grand parce que il y a des classeurs trop petits qui ne vont pas couvrir toute la surface du papier. Là, je l'ai passé à la Big Shot. Et là, je fais rentrer ça. Et là, c'est super beau. Alors, je vous laisse cette autre idée. Alors, passons à la boîte. Là, j'ai mis les mesures pour ajuster les mesures qui sont sur la table, sur ces petites cadres, pour faire la boîte. Alors, au papier, on va ajouter 3,2 cm. Pour le premier pli, on va ajouter 3 mm et pour le deuxième pli, 2,5 cm aux mesures qu'on a déjà sur ces petites tables. Alors, si on fait par exemple, moi je fais mes calculs là, si on fait 12,7 la carte fois 12,7, on a un papier indiqué, une taille de papier 20,6 fois 20,6, on va ajouter 3,2 cm. Alors, on va découper le papier à 23,8 fois 23,8. Après, pour le premier pli, on a indiqué là 10,5. Alors, on va ajouter 3 mm. Alors, ça fait 10,8 cm. Et pour le deuxième pli, on prend le premier pli 10,8 et on va ajouter 2,5. Ça fait 13,3. Ça fait beaucoup de chiffres, ça fait un peu peur, mais c'est trop facile. Prenez cette vidéo tenez cette vidéo à côté et vous le faites petit à petit. Vous arrêtez la vidéo à chaque moment et vous allez le faire et vous allez comprendre que c'est plus facile que ce qu'on pense. Alors là, j'ai mis simplement mon papier. Je mets de la grille de mon tapis de découpe pour être sûr que je descends 1 cm à chaque fois. Et je vais faire les deux mesures. Alors, je vais faire deux points, deux petits points. Un point à 10,8 et un autre point à 13,13. Alors, vous allez faire ça de chaque côté du papier en vous assurant à chaque fois que vous descendez d'un centimètre parce que les points, ils ne sont pas au bord du papier. Mais comme vous voyez là, je descends, je m'aide avec mon équerre. Je m'assure que je descends 1 cm, c'est pour ça que j'ai mis aussi du tapis de découpe, pour savoir où mon tapis est en cm. Alors là, je fais encore 10,8 et 13,13 à chaque fois. Après, je vais retourner mon papier et je vais le retourner comme un losange en face de moi. Et là, je vais joindre les petits points. Et vous aurez comme un carré. Là, vous voyez ces deux lignes parallèles. Si vous avez bien fait vos points, vous aurez ça à la fin. Vous aurez deux lignes parallèles à chaque fois qui vont former un carré. Alors, ces côtés-là, je vous marque les côtés qu'on doit découper. En bas, on va couper que les petits triangles. Et en haut, on va couper le grand triangle, comme on fait là. Vous allez voir pourquoi. Là, je coupe que le petit et après, on va couper une petite encoche de ce carré qui nous reste là, simplement, pour pouvoir compléter notre boîte. Là, c'est la forme de notre boîte. Je vais couper cette petite encoche là. Et là, on peut commencer à plier, à marquer les plis, pardon. On va marquer les deux plis. Désolée, ma tête, elle est partout, mais je suis un peu... je vois pas très bien, je dois me rapprocher pas mal. Alors là, j'ai tout marqué. Et vous voyez comment je plie la boîte. Et là, ça prend forme. Si vous avez quelque chose pour les bords, pour les coins, ben on le fait. Et ces petites languettes-là, on les laisse simplement pour avoir une meilleure finition de la boîte. Alors en bas, la boîte elle sera complètement fermée. Ça, c'est le côté d'en bas. Là, on le ferme d'abord en essayant de faire un angle droit. Et après, là, bah, avec du scotch normal, bah, c'est facile. On fait la forme de la boîte. Et vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit, bah, c'est peut-être les chiffres et tout. Mais si on fait les calculs, après, c'est trop facile. Pour l'expliquer, c'est peut-être pas si évident que ça. J'espère
que vous avez compris. Là, des fois, je m'aide avec un bloc de cartes, justement, pour donner la bonne forme à ma boîte, pour faire plus facile. Alors là, ok. Là, on va voir que c'est beaucoup plus facile avec cet outil-là. Mais je voulais vous montrer quand même qu'on pouvait le faire sans. Alors là, c'est exactement les mêmes choses. J'ai exactement les mêmes mesures. Et là, mon outil, on va voir comment il m'aide. Bah, je dois pas tracer rien. Et je peux marquer les lignes pour plier plus facilement. Là, simplement, je repère ma ligne de découpe. Les 10,8. Et après, je vais m'aider d'une règle pour pouvoir rallonger mes mesures et mesurer 13,3 et faire mon deuxième pli. Après, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai qu'à suivre, j'ai qu'à positionner la petite pointe, vous voyez là, la petite pointe qui sort en ligne avec mes plis et je coupe, ça coupe les coins et je repositionne ma ligne et c'est fait. Là, j'enlève les coins, j'arrondis les coins avec le petit outil aussi. Et là aussi, on va couper, mais là, on n'a qu'à couper deux carrés en bas. On va laisser les carrés parce qu'on va faire simplement les petites languettes. Et là, la boîte, elle est faite. C'est beaucoup plus facile. Ben là, c'est parce que j'avais fait une autre. Alors, bon, il y a mes coins, là, ma boîte, elle est faite. Vous pouvez, là, j'ai utilisé du papier, c'est un papier, mais vous pouvez utiliser aussi du carton, les 30-30 de Action, ça va très très bien. Là, je vous présente encore l'outil et je vous fais un résumé un petit peu de ce qu'on a fait aujourd'hui. Là, je pense que c'est un beau cadeau, par exemple, pour la fête des grands-mères, on peut donner des cartes pour qu'elles puissent envoyer. Là, c'est dimanche, la fête des grands-mères. Là, on a appris à faire des enveloppes plus belles. Et les boîtes sans et avec cet outil-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis, c'est peut-être pas facile quand on regarde la vidéo. Mais si vous êtes à côté à le faire, vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous allez commenter. J'espère que c'était clair. Dites-le moi. Et je vous dis à la prochaine.